Salut! Aujourd'hui, ce sera un petit haul Timour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je me munis, comme d'habitude, de mon petit cutter nuage pour ouvrir mon petit colis que j'ai reçu ce matin. Alors, on va l'ouvrir correctement pour ne rien abîmer à l'intérieur. Et nous allons commencer. Et bien, écoutez, nous allons commencer. Je me suis pris. Donc, je vais tester parce que je sais que beaucoup de femmes utilisent cet accessoire. Cet accessoire, je dirais, cette lingerie plutôt. Le terme est plus adéquat quand même, cette lingerie. J'ai pris une culotte gaine parce que, bon, on a toute tendance à avoir un petit peu de ventre avec l'âge. Et j'ai des robes que je voudrais remettre et que je ne peux pas parce que j'ai ma petite boudine qui se pointe. Donc, je me suis pris une culotte gaine. Et je vous ferai un retour parce que je vais la mettre à laver, je vais l'essayer et je vous dirai ce qu'il en est exactement. Et puis, si ça fait bien son job, et ben pourquoi pas vous montrer directement le résultat avec une robe. Et donc, elle est jolie. Elle est, je n'ai pas souvenir qu'elle avait des motifs, mais bon, voilà, elle est très jolie. Voilà, elle est bien élastique. Ici, je le sens, il y a deux barres, ce qui permet, c'est très très bien ces deux barres là comme ça, à la verticale, elles sont ici, là où je passe mes doigts. C'est très très bien parce que ça évite quand on a un peu de ventre que la culotte, si vous voulez, elles ont tendance à rouler quand on a du ventre. Et bien là, ces petites barres, vous voyez, voilà, on les voit mieux sur l'envers. Ces petites barres, elles empêcheront la culotte de faire des petits boudins, de rouler sur elle-même. Donc c'est très très bien. Elle m'a l'air bien. Voilà. J'ai pris, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai pris une grande taille parce que j'avais tellement peur d'être trop serrée et puis d'avoir mal à l'estomac avec. J'ai pris une taille au-dessus, au lieu de prendre du X, j'ai pris un XL. J'espère que ça ira. Alors, Made in China, on ne voit pas du tout la façon de laver son linge. Bon, moi, de toute façon, ça, c'est des choses que je lave à la main ou dans un petit filet à la machine à laver à l'eau froide. Ma foi, elle est jolie. Derrière, on voit bien le fessier. Donc, je pense que ça devrait le faire. Je vous reviendrai avec la robe, bien évidemment, et vous dire si ça fait vraiment son effet. Voilà. Ensuite, j'ai pris, mais oui, je ne me souvenais plus parce que je ne me souvenais plus du tout de cette commande Timou. Je savais que j'attendais ma culotte gaine, mais je ne savais pas du tout ce que j'attendais avec. Et je ne suis pas allée voir sur le site, voir ce que j'avais commandé parce que ben, je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Alors là, je vais l'ouvrir. C'est un joli petit moule. Voilà, ce sont des papiers qui ont tendance à faire beaucoup de bruit. Hop là, alors c'est un petit ours, il a l'air bien joli, on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord le faire en gesmonite, pourquoi pas en plâtre, avant de le faire à la résine, pour voir s'il n'y a pas un défaut à l'intérieur. Ça me coûtera moins cher au cas où il y a des défauts de le faire en plâtre ou gesmonite, plutôt qu'à la résine. Voilà, c'est très très joli, je suis contente, je suis satisfaite de la qualité du silicone. Maintenant, reste à voir comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Je me suis pris aussi, alors ça je connais, donc je peux déjà vous dire que c'est du top. Il est vraiment bien, je l'ai aussi en rose. J'en voulais un second. Je me suis prise la petite spatule en silicone qui est normalement utilisable en cuisine. Moi je l'utilise pour mélanger ma résine parce que les petits bâtons de bois, c'est bien, ça dépanne, mais c'est pas top pour les filles qui font de la résine ou même du plâtre ou autre. Le bois, bah, ça boit. Il y a des, voilà, il y a, ça rentre dans les pores du bois, dans les fibres du bois, et ça a tendance à faire des bulles, ces fibres, forcément. Et là, avec le silicone, c'est génial, c'est un très très bon produit, j'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir reçu. Ah oui, mais oui, mais oui, oh, ils sont petits, j'ai mal mesuré. Je voulais des petits sacs, en fait, des petits sacs comme ça, avec le zip, tout simplement. C'est tout simple, hein, mais c'était pratique pour emballer mes commandes de porte-clés. Et finalement, je vois qu'ils sont vraiment petits, petits. Les porte-clés ne rentreront pas dedans, je ne suis pas certaine. Je vais voir, c'est pas grave. Ça servira bien à quelque chose.
Voilà. Ensuite, j'ai pris, mais oui, alors ça c'est top. Ça, c'est top. C'est tout simplement un petit gobelet doseur à compartiment. Voilà, à compartiment. Alors, si vous ne résinez pas, si vous faites par exemple de la peinture, tout simplement, de la peinture acrylique que vous versez sur une toile, vous avez un compartiment par couleur, ce qui fait que vous versez comme vous le souhaitez et chaque couleur reste bien à sa place. Après, à vous de bouger votre toile pour pouvoir faire des motifs. Mais ça, il y a longtemps que j'en voulais une. J'ai dit, allez, c'est le moment ou jamais. Sur Timou, ils l'ont. C'est vraiment moins cher qu'ailleurs, moins cher qu'Amazon. Allez, je prends. Alors là, je suis contente, je vais le tester incessamment sous peu. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est... Ben, je sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Alors que je vous montre quand même. Ah, mais oui. En fait, mais ça y est, ça me revient, mais je ne le voyais pas comme ça. En fait, je le voyais hyper épais, avec une sorte de gel, pas du gel, mais peut-être de la ouate au milieu, alors que c'est tout simplement... C'est même pas doublé en fait, c'est un couleur noire d'un côté, couleur argentée de l'autre, c'est pas doublé, c'est juste une couleur différente de chaque côté. C'est pour mettre sur le pare-brise des voitures, mais c'est pas pour la chaleur, c'est pour c'est pour les geler, pour vous éviter de gratter les pare-brises le matin. Ça, c'est spécial anti-gelé, donc je me suis pris ça, je m'attendais absolument pas à ça. Écoutez, là de toute façon maintenant c'est fini pour nous, on n'aura plus de gelé. À moins que, mauvaise surprise, au mois de février, on en est. Mais bon, en principe, dans le sud, là, la maison, elle est grande ouverte, là. Hein. On a coupé le chauffage, on a laissé la maison ouverte. Ça fait une semaine qu'on varie entre 18 et 20 degrés. Donc, franchement, on a vraiment... Je l'avais complètement oublié. Eh bien, écoutez, de toute façon, il sera attesté. Hein. Je le mettrai quand même un soir pour voir si ça protège bien, ne serait-ce que de l'humidité, parce que le matin, on a pu les geler, mais j'ai le pare-brise, il est trempé quand même. Donc, en mettant ça, je verrai si c'est vraiment efficace, si ça n'a pas collé, justement, à cause de cette eau qui coule le long du pare-brise. Voilà. Alors maintenant que ce petit haul est fini, je voudrais vous faire un retour justement des achats précédents de Timou, parce qu'on est sur une vidéo Timou. Passons au moule silicone chocolat. Vous vous souvenez? Voilà, j'avais acheté ce moule silicone chez Timou pour faire des petites tablettes de chocolat. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner tellement c'est fin. Je ne vais pas réussir à faire quoi que ce soit. Il n'y a aucun creux. La résine, la tablette de chocolat, ça va être juste une petite plaque comme ça. Ça va vraiment pas être top. Le seul truc qui était bien, c'était la qualité du moule et son élasticité pour pouvoir bien démouler. Alors, je suis très, très agréablement surprise par le résultat de ces petites tablettes de chocolat. Elles sont superbes, elles sont très jolies, les motifs sont là, ils sont bien en relief, il n'y a pas de souci. Le résultat du moule, écoutez, eh ben c'est un vrai top, c'est vraiment superbe. Et ça, c'est bien parce que, en fait, il est tellement fin, ce petit moule, qu'il peut être appliqué pour ceux qui font de la pâte polymère, de la pâte à modeler ou tout simplement la pâte porcelaine à froid. Ça vous permet de bien mettre votre pâte et de pouvoir avoir la forme de votre tablette de chocolat. Voilà. Il n'y a pas que la résine dans ma vie. Il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'avec les moules silicone que j'ai ou que je fabrique, on fait de la résine, on fait du plâtre, on fait du béton, on fait des savons, on fait des bougies. Il y a plein de choses à faire avec un moule silicone. Donc, eh ben, écoutez, celui-ci, en attendant, c'est un vrai top. Je suis vraiment très très agréablement surprise. Et donc j'avais, vous vous souvenez, acheté ces quatre petites étagères que je pensais beaucoup plus grandes pour justement mettre mes petits rouleaux de washi tape. C'est pas mal, mais franchement, c'est pas mal parce que c'est rangé, ça aurait pu être pensé autrement, déjà plus grand. La petite scie comme ça, je la trouve pas pratique du tout parce que
Elle se trouve à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur avec les dents qui ressortent un petit peu. Donc, mais et puis quand on veut justement couper un bout de ruban, il faut absolument avoir la deuxième main pour tout tenir parce que sinon, comme vous le voyez, ça se lève, ça ne tient pas en place. Je dirais plutôt que c'est un flop, c'est gadget, voilà. Donc, c'est beau, c'est rangé, sur un plan de travail, c'est propre. Mais pour moi, c'est un flop, ce n'est absolument pas pratique dans mon atelier. Voilà. Maintenant, parlons de la jolie valisette que j'ai prise. Vous vous souvenez, sur trois étages, avec six compartiments par étage. Eh bien voilà, j'ai pu, donc il y a quand même une grande, grande capacité. J'ai pu mettre tout ce qui est pierre semi-précieuse, et puis pierre, résine, plastique et autres, pour pouvoir faire mes réalisations. Il y a quand même de quoi faire. Alors ce qui est bien, c'est que les compartiments montent jusqu'en haut. Ce qui fait que si la boîte se retourne, il n'y aura pas de mélange. Voilà, que je vous montre bien. Voilà, ça monte bien jusqu'en haut. Voilà, vous le voyez mieux parce qu'avec les trois, forcément, ça fait trop haut. Les compartiments montent jusqu'en haut, ce qui fait que quand il y a celui du dessus, ça ferme bien. Donc on peut retourner la boîte, ça ne va pas se mélanger et passer dans celui d'à côté. C'est vraiment très très bien. Alors là-dessous, j'ai mis tout ce qui est cabochon action. Voilà, ce sont différents cabochons. Voilà, ici, c'est ce que j'avais trouvé dans un rayon baptême et mariage. Ce sont des fausses petites pierres. Mais vous voyez, il y a quand même la quantité. On en met quand même beaucoup dans ces petites valisettes. Vraiment. Et ça fait une superbe valisette. Donc, qui se clipse comme ça. Hop. Tout simplement. Vous baissez ou vous levez, ça se clipse bien. C'est vraiment super. Écoutez, pour moi, c'est un vrai top. Alors, pour les filles qui font de la couture ou autre, les bobines de fil, les petites canettes de machine à coudre, les aiguilles, les dés, les petits mètres, tout, c'est génial. Et puis, pour celles qui font des bracelets en perles, voilà, vous avez six compartiments par étage, de quoi mettre par taille ou par coloris. Mais vraiment, ça, je le recommande. Et même pour les enfants, hein, les petites, qu'ils ont des sacs de billes ou autre, c'est génial. On peut mettre tout ce qu'on veut dans cette petite valisette, c'est super. Et maintenant, on passe à la dernière commande que j'ai effectuée l'autre fois, toujours dans la même vidéo que je vous mets bien entendu au-dessus. Si vous souhaitez la revoir et avoir les liens des différents accessoires, vous vous souvenez, ce joli moule coquillage. Eh bien, voilà le résultat des coquillages. J'ai cette lumière au-dessus, c'est vrai que c'est pas top top. Je pense que ça vous fait une brillance qui permet de pas qui nous empêche de bien voir exactement ce qu'il en est. En tout cas, ces petits coquillages, je vais vous faire un gros plan. Ces petits coquillages, c'est super beau, le rendu est top. J'ai tout simplement coloré le fond avec de la poudre de mica. Pour celles qui en ont pas parce qu'elles ne résinent pas ou quoi, ou qu'est-ce, la poudre de mica, c'est tout simplement le fard à maquillage. Vous pouvez aussi l'utiliser, fard à paupières, fard à joues, c'est de la poudre de mica. Et puis, bien évidemment, une fois que ça a été démoulé, j'ai pris une pointe fine, très très fine, de feutre or, feutre acrylique or, et j'ai pu passer dans les stries de chaque coquillage pour faire ce joli motif doré par-dessus le marron. Ce petit moule-là, c'est aussi un grand, grand top. Voilà, j'espère que cette vidéo haul et retour top et flop vous aura plu. Je vous souhaite une très agréable journée ou soirée selon l'heure où vous regarderez ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, cela fait très très plaisir. Un commentaire, je serai toujours là pour vous répondre. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, pourquoi pas cocher la petite cloche de notification. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera tous les samedis à 17h pour les vidéos déballage ou alors retour des tops et des flops. Et puis une fois de temps en temps, sans date précise, ce sera les vidéos short pour les résultats de ce que j'aurai utilisé pendant mes hauls. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao ciao.